Bonjour et bienvenue sur section 8 préjudice. Donc je vais vous montrer juste après le jeu combien de modes il a, si je peux, si je finis. Là en tout cas c'est un mode skirmish. Donc c'est un mode où en fait vous êtes avec des bots ou des humains et vous jouez une partie au hasard. Alors je peux réapparaître en libre. En fait là, cette zone là ils ont mis des anti-aériens, donc je vais réapparaître ailleurs. Allez, c'est parti. Un jeu XBLA, mais qui est très très bien, très très chouette. Mission de frappe aérienne activée par les... Et vous avez plein de... Vous avez plein de missions comme ça. L'ennemi a acquis le marqueur. Voilà, il y a un mec qui a un espèce de truc de bombardement, il faut que je le trouve, je le tue parce que sinon... Et il faut que j'empêche les autres de venir prendre le marqueur. L'ennemi a une balise de frappe aérienne. L'ennemi a lâché le marqueur. L'ennemi a acquis le marqueur. Bouclier désactivé. L'ennemi a lâché le marqueur. Je vais mourir. Il y a un bouclier désactivé, c'est... L'ennemi a acquis le marqueur. Ça leur permet de faire un... Ça leur permet de faire un bombardement. Donc après, au même titre qu'un tower défense, je peux mettre des tourelles, des trucs de... Comment dire, comme dans Team Fortress aussi. Des blocs de réparation, voilà, ce genre de trucs-là. L'ennemi a lâché le marqueur. Le marqueur est par terre. Dommage. Il joue bien hein, pour des bottes. Hein. Je vais apparaître là-bas parce qu'apparemment c'est là qu'il y a des problèmes. Donc il y a un mode histoire, on peut jouer en coop. Ou un mode ou plein de modes. Hein. Voilà. Les maps sont grandes en plus. Ah merde, tirami. Oh, ils m'ont tué. Eh ouais. Normal. Donc, je vais un peu les embêter chez eux. Je vais me mettre proche du cercle et je vais désactiver leur tourelle. Je vais essayer de désactiver leur tourelle anti-aérien. Je vais tirer dessus là. Bouclier désactivé. Et ouais, mais là, mieux jouer tout à l'heure. Il y a plus d'une dizaine de cartes. Je sais pas s'il n'y en a pas 16 d'ailleurs de cartes. Ça n'a rien à voir avec, avec l'ancien. Moi j'avais l'ancien. Et là il a été refait en fait et mis en jeu XVLA en fait, tout simplement. Il est vraiment sympa. Hein. Alors, ça, je me fais tuer parce qu'en fait, je veux atterrir dans leur espace aérien, en fait. Voilà, donc, du coup... Eh ben, voilà. Alors, en fait, s'ils rajoutent une tourelle, je suis... Ben, là, ils ont le monopole de la carte. Hein. Il faut que j'aille enlever des tourelles pour qu'on puisse atterrir, sinon ça va être pénible. Voilà, là ici j'ai un mode où je peux en fait
mettre ce que je veux. Alors, je pourrais faire venir un mecha, on peut monter dans les mechas. Là, il n'y a rien, j'ai pas assez d'argent, il faut que je tue plus. C'est quand même un peu Counter-Strike en fait. Pour l'achat des armes et. Non, merde, c'est pas grave. Attention, dynamique. On peut aussi faire ça, voilà, courir très vite. Alors, j'ai plusieurs armes, hein. Il y en a plus de 40 trucs à débloquer. Alors, je vais mourir. Ouais. Alors, il y a protection VIP, escorte d'un convoi, tuer les cibles hein, spécifiques, ce genre de choses-là en fait. Oula, il y a un robot? Ah non. C'est vraiment diversifié quoi. Après il y a une trame générale de l'histoire ou alors vous faites des modes conquête, ce genre de truc, ou des modes skirmish comme là en fait. Il y a pas mal de modes, hein. Il doit y en avoir 5-6. Il y a un truc par où? Par là. Un dépôt de marchandises apparemment. Vite, vite, vite. Tirer dessus. Heureusement qu'il y a ça qui me protège. Hein. Alors, il y a des petits drones qui viennent réparer en fait de la base. Des petits drones qui viennent réparer ça là en fait. Alors ici je vais mettre un vite. Voilà. Là j'ai mis une tourelle à missiles. J'espère qu'ils vont pas me le détruire. Ah si peut-être. Ah si. Échec, eh ouais, ils ont... Eh ouais, je m'en doutais un peu. Je peux rien mettre en fait là, il faut que je tire l'anti-aérien. Provisionnement. C'est un peu comme un mélange de Team Fortress, Counter-Strike, un peu à l'eau parce que c'est vrai que ça y ressemble. Là on récupère des données ici. Je trouve le. Voilà, c'est lui. La tourelle AA. Voilà, c'est elle. Une fois que j'aurai détruite, je serai beaucoup moins embêté. Je vais pouvoir mettre ma propre tourelle à moi. Il y a un bon retour de force sur la manette. Le gameplay est pas mal. Voilà. À partir de là, maintenant, je vais pouvoir. Voilà. Je vais pouvoir. Peut-être. Ah ben non, je pourrais pas. Là, ça me veut des. Oula. Voilà, ça, ils se défendent, hein, ils se défendent. Hein. Dès qu'on attaque leur camp, ils viennent quoi. Et c'est que des bots. Hein. Ok. Alors c'est assez rapide. C'est moi qui ai pu pas attendre, mais c'est assez rapide pour rejouer en fait. Hein. Bon là, il n'y a pas de tourelle, hein, donc je vais vite, vite les tourelles AA. Je vais vite y aller. S'ils en mettent une là, je peux avoir des problèmes. Là, je vais essayer d'en mettre une ici. Ah, c'est des amis, ok. Est-ce que je peux mettre une tourelle? Ah, pétard, non, je peux pas.
Le graphisme est beau aussi. Hein. Et ouais, je vais crever là. C'est comme dans Team Fortress, ça. Pareil. Il y a bien sûr des classes, hein. Soldats, artilleurs, voilà. Éclaireurs, je crois. Donc, je vais retourner là, puisque apparemment, voilà. La carte est. C'est pas mal parce que la carte est tactique. Elle vous montre. Là. Elle vous montre exactement les. Les tourelles, etc., etc. Donc ça c'est pas mal. Ah, on y retourne. Il y a du monde là. Oh là 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 là, ah, je joue mal en plus. Bon, bah, puisqu'on va pas insister. Vous voyez, ils ont remis un cercle ici. Donc ça veut dire que je peux même plus attirer là maintenant. Donc on va aller par là-bas. Mission de renseignement terminée. Parti. Je vais essayer d'y aller à pied, mais c'est pas facile. Tiens, il y en a un ici, là, je me demande qu'est-ce qu'il fait. Voilà, là je me mets un déploiement ennemi, hein. Il se déploie en plus. Bouclier désactivé. On tire dessus là. Vite, 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 vite. Ça c'est un dépôt de réapprovisionnement. Ici c'est un réseau de capteurs, je pense. Ici c'est une tourelle minigun. Là c'est une tourelle missile. Ici c'est une tourelle AA, donc pour les objets volants. Une moto comme dans Halo, un genre de scooter. Un mecha d'assaut, berserker. Un tank. Et voilà. Et tout ça, donc, on peut les avoir en tuant, en gagnant des points, comme Counter-Strike. Le skin du perso, c'est nous-mêmes qui le choisissons. Hein. Bouclier désactivé. Mais non! Oh là là! J'en ai plus! Ah oui, il est parti! Ah, mais c'est bon! Bouclier désactivé! You. Il rigole pas. Hein. Bon, là il faut que j'aille là. Donc ouais, je disais, la map elle est bien détaillée, ce qui fait que vous pouvez voir tout ce qui est placé, quoi. Alors, donc ça c'est pas mal. Voilà, là une mission VIP. Voilà. Ils ont un VIP à protéger et moi j'ai un VIP à tuer du coup. Un peu dans manière un peu de mode Killzone dans Guerilla.
dans le mode Killzone, le mode guérilla dans Killzone. C'est pas un format avancé comme Black Ops, hein. C'est mieux. Oh, il y a un truc là. Alors, il me dit que plus haut il y a une tourelle, donc je vais aller voir. Le général ennemi a été repéré. Mais là, le général, je peux pas le tuer. Il y a un truc pas bien là. J'attends. Mon jetpack est pas infini, hein, donc. Alors, je peux choisir grenade. Ou mortier ou autre chose. Hein. Là j'ai couteau et mortier. C'est-à-dire que si j'appuie sur un autre truc, j'ai un couteau. Ah, c'est bien pratique hein, le mortier. Hein. Bien pratique. Les maps sont plus grandes que dans Halo, je crois, d'ailleurs. On a perdu, dommage. Voilà, donc là on peut continuer ou s'arrêter, donc à nous de voir. Donc là je vais continuer, il nous reste, ouais là, ça ira. Tout à l'heure j'ai une victoire totale, mais bien sûr j'ai pas filmé, donc je refais. Enfin non, je refais pas. Ce que je vais faire, je vais vous montrer les menus. Voilà, on va sortir de là, donc il y a escarmouche, assaut. Alors, escarmouche, c'est jouer à une partie escarmouche en mode versus pour les missions difficiles et de l'action non-stop. Assaut est un mode versus pour les sièges territoriaux par équipe. Campagne, mode campagne en solo, explorer l'univers de section 8. Voilà. Conquête, jouer en versus et mode conquête et conquérir les champs de bataille. Essaim, c'est jouer en mode essaim, c'est en coopération avec des humains ou des bots pour repousser des bots ou des humains. Voilà. Donc il y a un groupe qui est établi dans une base et un autre qui l'attaque. Escarmouche, ben c'est ce qu'on vient de faire. Jouer une partie escarmouche en mode versus pour des missions difficiles et de l'action non-stop. Voilà. On peut aller dans cargo. Cargo donc va jouer sur le profil, le online et les progressions. Équipement. Bah, vous avez votre mon personnage là, voilà. Après on peut en arme, il y a de quoi faire, il y a tout ça. En pistolet, il y a tout ça. En atout, il y a tout ça. Tout ça on peut le rajouter. Je vais vous montrer les éléments déverrouillables. Voilà. Tout ce qu'il y a à déverrouiller. D'accord. Donc tout ça, ce sont des armes. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal. Il y en a 46 au total. Voilà. Donc c'est après vous pouvez choisir selon la classe, bien sûr, sur le truc. Donc on va refaire un escarmouche. Hein. Ce que j'aime bien. Partie rapide. Donc on peut rejoindre une escarmouche en ligne. Partie personnalisée. C'est nous qui hébergeons. Voilà. Et hors ligne, eh ben, on joue avec des bots. C'est mon cas. Donc là, je suis en carte aléatoire. Hein. J'ai pas voulu faire. J'ai pas voulu. Voilà. Les cartes, faut savoir qu'il y en a. Donc je vous ai dit tout à l'heure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Donc je vais faire créer une partie aléatoire. On peut jouer à 16 apparemment. Les difficultés des bots moyens. Allez, c'est parti. Ah, on a la même carte. Ou alors c'est une variante, mais ça y ressemble. La carte sous la neige est très jolie aussi. Bon, faut savoir que j'avais le premier section 8 hein, qui était en DVD. Et bon, il était un petit peu mou. Il manquait un peu de ça en fait. Ce qu'ils ont ajouté là, en fait, le jeu, et ils l'ont. C'est mieux qu'une refonte du jeu. C'est vraiment. Ils ont vraiment dynamisé le jeu, quoi. Vraiment. Donc, c'est vraiment bien. Voilà, tout en. Ils ont gardé un petit peu le style.
Mais voilà, ça me fait penser aussi à Command & Conquer, hein, genre de. C'est des trucs comme ça, c'est pour ça que c'est sympa. Allez, c'est parti. Hop, bah on va aller un peu les embêter chez eux, et c'est parti. Ça, c'est moi qui décide, hein. Je pourrais très bien. Comment dire. Protéger plus ma base, mais là, je décide d'aller les attaquer. Encore une fois, c'est moi qui décide, c'est pas. D'ailleurs, je suis. Hop, je suis pas la même couleur que tout à l'heure. Je vais vous montrer. Je suis bleu là, apparemment. Ouais, noir. Bleu et noir. Enfin, noir et avec des traits. Alors, déjà, on va commencer déjà. Hop là. On commence comme ça. Je sais pas ce que ça fait le radar. À mon avis, c'est pour nous voir, je pense. Il nous voit pas comme ça. Une tourelle A. Donc là, déjà, on va pouvoir. On va pouvoir envoyer des choses maintenant. Voilà. Donc à partir de là, je mets une tourelle A si j'ai les moyens. Je n'ai pas la possibilité, donc je ne le fais pas. Il faut que je gagne encore plus de points. On peut auto-loquer, donc ça c'est pas mal. Il y a des snipers, hein, faut faire attention. Par rapport à si Halo avait le nombre de les modes qu'a ce jeu-là, Halo serait super top. Déjà Halo est pas mal, mais les modes de ce jeu sont mieux que Halo. Déjà Halo, il n'y a pas de bot, à part baptême du feu. Donc, mais là, ce jeu-là, oui, il en intègre, ça c'est bien. Oui, il voulait me tuer. Oh, c'est excellent, c'est excellent. Ouais, faut faire gaffe en haut aussi, parce qu'en fait, ils viennent d'en haut. Je sais pas si vous voyez, mais... Non, là, il n'y en a pas. En fait, on voit des capsules qui tombent lumineuses. Tourelle missile, je vais essayer de... Ouh là là, là, elle m'a repéré, la tourelle. C'est tard. Est-ce que je peux mettre... Ouh là, il y a quelqu'un. Bon, il faut vraiment que j'achète quelque chose. Bon, je peux rien mettre. J'ai pas assez d'argent. Mission de convoi activée par l'ennemi. Arrêtez le convoi. Bouclier désactivé. Ok, là maintenant peut-être que je peux le faire. Non, toujours pas. J'ai pas assez d'argent. Bon, je peux mettre ça. Ça va me soigner, ça. En fait. Je peux pas dire à mes amis de venir, hein, en fait. Hein. Voilà, vous voyez, c'est largué. Et là, en fait, ça me répare. Est-ce que je peux mettre un... Toujours pas. Le convoi ennemi a été repéré. Voilà, on me tire dessus. C'est un sniper. Échec de la mission de récupération. C'est un sniper qui m'a tué. Alors je vais aller, bah tiens là, il y a un convoi qu'il faut fracasser, donc je vais y aller. J'aurais dû prendre un bazooka, mais bon, c'est pas grave. C'est magnifique ça, je trouve ça magnifique. Ah, c'est bien fait, hein, c'est super bien fait. Hein. Alors je pourrais l'assassiner dans le dos. Je vais mourir. Et le convoi là, il faut pas qu'il arrive. Hein. Dommage. Dommage, dommage. Les maps sont très variées et très jolies. Voilà. Et ce jeu est à 800 points, je crois. C'est vraiment sympa. Hein. En plus, on peut jouer. Il n'y a pas de. Je vais détruire la tourelle qui est là. En plus, il y a. On peut jouer tout le temps, quoi. C'est enfin. Quoi.
parce qu'elles nous permettent de passer. C'est une tourelle à A, en fait. Voilà. Est-ce que je peux en mettre une de tourelle à la place? Non, j'ai pas assez d'argent. Il faut vraiment tuer beaucoup de personnes et faire des missions pour avoir accès à ça. Ah, c'est chaud, hein. C'est super chaud. Déployable détruit. Ok, hop. On va aller par chez eux. Bon, je vais vous montrer, remarquez, je vais vous montrer le... C'est pas grave. Je vais vous montrer la carte de la neige. Il me reste 3 minutes. Tant qu'à faire, allez vite. Voilà, on va faire carte, on va pas faire aléatoire, je vais prendre la neige. Non, c'est pas ça. Voilà. Je crois que c'est ça. Il y a de la neige un petit peu. On va faire vite et après il nous reste 2 minutes. Ça vous montrera un petit peu le style. Je vais essayer de me déployer assez rapidement. Donc c'est des cartes qui n'étaient pas accessibles avant. Et avec le mode Skirmish, en fait, on y a accès. C'est beau, hein. Franchement, c'est vachement beau. Ah, quand il y a un bouclier désactivé, c'est... Protégez le réseau de brouilleurs et empêchez le piratage ennemi. Voilà, il me reste 1 minute. Ça va s'arrêter. Donc je vais vous dire à bientôt. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. On peut agir, hein, là, hein. Voilà. Hein. Donc là, ça devrait s'arrêter dans 50 secondes. Brouilleur perdu. Attention, tyrannie.